Eh bien bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est vrai que cela fait un petit moment que je n'ai pas posté de vidéo. Quelques petits problèmes personnels m'empêchaient de faire cela, mais tout va bien. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Commençons cette nouvelle vidéo tous ensemble. Installez-vous confortablement dans vos chaises, dans vos lits, sur la table à manger, likez la vidéo, abonnez-vous, et c'est tout. C'est parti pour la vidéo! Ouais! Ok, du coup, je sais pas, j'ai... Merde. Ouais, bon, qu'est-ce qui sera dans cette vidéo? Vous avez vu le titre, alors je vais vous expliquer tout ça directement, on va rentrer dans le jeu directement, c'est parti, let's go, donc on va aller directement dans le vif du sujet. Je vais cliquer sur jouer, et qu'est-ce qu'il se trame? Il se trame que ce n'est pas la version classique de The Isle. Vous voyez qu'il y a écrit Open Hippo, Open Region 2, Sandbox, Hippo. Et vous en rappelez peut-être d'une petite vidéo teasing où le jeu a été hacké, voilà tout ça. Tout ce magnifique teaser que j'ai fait par mes propres soins évidemment. Et ben ça annonce ça. Et on arrive là sur le choix des dinosaures, bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a de différent? Qu'est-ce que c'est de cette version? De quoi parle-je? Je parle d'une version où il y a le brachiosaure, voilà. Je parle d'une version du jeu où il y a tout simplement, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on peut voir de la nouveauté? Un truc de fou? Pas de fou? Ok, il n'y a rien d'autre, c'est cool. Là, on va dans les carnivores. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette version? Il y a le... Ça! Tethered Tyrannosaurus. Ok, vous connaissez peut-être pas. Le type H Carnotaurus. Le type H Giganotaurus. Le type H Spinosaurus. Le type H Tyrannosaurus. Voilà, hein, y a quand même quelques petits trucs dans cette version qu'il n'y a pas dans la version classique de The Isle, j'ai envie de dire. Donc on va prendre un Quetz, parce que j'aime bien. On va confirmer. Et on arrive tout simplement in-game. Alors qu'est-ce qui se trame? Vous voyez déjà que bah, y a des nouveaux dinosaures dans le jeu The Isle classique. Ok, vous voyez que, bon là il y a une nouvelle map, mais bon ça n'a pas trop d'intérêt. C'est la map V2 de l'époque. Qu'est-ce que tout ça signifie, bon sang de bois? Attendez, on va changer un petit peu de dinosaures de temps en temps pour vous montrer ce qu'il y a évidemment, hein. Je vais pas faire une liste exhaustive de tout ce qu'il y a parce que ça va être trop long, ça n'a pas d'intérêt. Là vous voyez qu'il y a le Quetz, il a des attaques, hein. Voilà. Il a des attaques, il peut piquer. Là je pique pas, là je monte. Là je peux piquer? Je peux pas piquer? Comment on fait pour piquer? Ah ouais. Piqué. C'est quand même pas mal d'avoir un petit Quetzal. Mais alors tout ça, d'où ça vient? C'est ça la grande question. Et en fin de compte, via Discord, j'ai été informé par le bon Lord Sax et par d'autres personnes. En fait, cette version était trouvable, craquable, téléchargeable, piratable, hackable. D'où petit trailer, hein. Ou prenable, je sais pas trop comment ils ont fait, en tout cas, sur l'internet. Alors je vais changer de dinosaure quand même de temps en temps, hein. Ne vous inquiétez pas, de temps en temps je changerai de dinosaure. Là j'ai un bon... Tyrannosaure type H, hein. Oui, je joue avec. Voilà, c'est quand même pas mal. Bon, évidemment, là, c'est du sandbox, mais c'est pour le plaisir de jouer. Bon, et en gros, une fois que tout ça a été dit, il y avait cette version qui traînait sur l'internet et ils ont réussi à la prendre pour eux. Ils ont réussi à la réencoder un petit peu. Il y a eu pas mal de travail, hein, je vous le dis. Et du coup, ils me l'ont filé. Et puis là, on peut tout simplement jouer avec des types H. Quelle est l'idée maintenant? Déjà, est-ce que vous avez envie de jouer avec ça? Tout simplement. Est-ce que vous avez envie de jouer avec ça? Avec ce genre de dinosaure? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Je ne pense pas. Et je ne pense pas que vous avez déjà joué avec ça. Bref, en gros, l'idée, qu'est-ce qu'il y a? C'est que j'ai été approché par les mêmes personnes pour autre chose. Un projet, je ne suis que le relais. C'est pas du tout moi qui m'en charge. Je ne suis qu'un relais. Mais j'avais envie aussi que vous puissiez jouer ces dinosaures. Que vous qui me regardez et vous qui me donnez de la force, jour après jour, mois après mois, semaine après semaine, année après année, je dirais même, eh bien que ce soit un petit peu à votre tour d'être compensé. Et du coup, pour ça, eh bien, il y a un petit lien en description. Et ce petit lien en description, il vous amènera tout droit sur cette version-là. Téléchargeable, gratuitement pour tout le monde. Ensuite, en description de cette vidéo, il y a autre chose pour vous, si ça vous intéresse vraiment de jouer avec. Il faut aussi regarder en description la petite vidéo que j'ai mis en lien. C'est la vidéo du bon Lord Sax. Et le bon Lord Sax, qu'est-ce qu'il a fait? On le remerciera quand même dans les commentaires. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert un serveur pour vous sur la V3 avec 200 slots. Ça vous attend. Le jeu vous attend. Non, moi, je vous dis, je suis juste le médiateur, le transmetteur, le don de soi. Ok, donc on récapitule un peu. Il y a tout simplement ce jeu-là. Voilà, qui quand même
The Isle, mais en un peu mieux parce qu'il y a beaucoup plus de choses. Il y a un serveur qui a été ouvert, voilà, pour vous, qui vous attend. Il y a le Discord du serveur en description. Là, vous aurez toutes les informations, évidemment, sur ce serveur, si vous rejoignez le Discord. Donc, tout ce qui concerne le serveur, ne venez pas me poser des questions. Je veux pas avoir affaire à ça. J'ai trop souffert à cause des serveurs. Donc, moi, je jouerai dessus, tranquillou, bibilou. Mais, faut pas me poser de questions. Vous allez sur le Discord et vous posez des questions là-bas. Comme ça, tout le monde sera heureux et stable mentalement. Et ça, c'est très important. Voilà. En gros, je sais pas si j'ai tout dit, je pense que j'ai oublié des trucs, hein. Comme d'habitude en vidéo, j'oublie toujours des trucs. Alors, toutes les questions relatives à comment jouer les hippos, parce que vous imaginez bien que sur ce serveur-là, on va pas vous donner les hippos gratos non plus. Évidemment, il va pas falloir payer. Il y aura tout un système de quêtes, ça vous verrez bien comment ça marche, je vous dis, ne me demandez pas. Je pense que j'ai tout dit, je vais peut-être trouver un autre dinosaure pour vous montrer. What? On le voit même pas en entier, le bougre. Brachiosaur, voilà, pourquoi ils l'ont enlevé ce dinosaure là? Pourquoi il est pas dans le jeu? Je comprends pas vraiment, voilà, donc je passe complètement à autre chose. Mais je comprends pas pourquoi ils ont enlevé tout ça du jeu. Vraiment, genre il y a le Brachiosaur, il est fait là. Il est fait, regardez, Brachiosaur. Bon, c'est un peu chelou là, mais Brachiosaur il est là, voilà. On y voit rien mais il est là. Je ne comprends pas pourquoi ils l'ont enlevé, je comprends pas pourquoi ils ont enlevé le Quetzal. Je comprends pas pourquoi ils ont pas rendu disponible les types H, le type M, les types N, les fils des raids, les machins. Je comprends vraiment pas pourquoi. Bref, je pense que vous avez toutes les infos. Donc allez surtout dans les liens en description si vous voulez avoir le jeu, si vous voulez jouer sur un serveur avec la communauté française, évidemment. Et aller sur le Discord du serveur pour avoir toutes les infos sur le serveur. Voilà, moi, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que vous allez être nombreux. J'espère que vous allez kiffer. Vous avez enfin la possibilité de jouer avec les types H. Vous avez enfin la possibilité d'avoir le jeu en entier. Et c'était ça, hein, tout simplement, qu'il fallait vous procurer, vous donner le don. Le don, quoi. Le don. Vous connaissez le don? Ben, le don, c'est ça. Voilà, on donne. On donne aux gens. Quand on a, on donne. Voilà, c'est ça. C'est pas, y a pas de double message. Y a pas de double message. C'est vrai que ça, on dirait un peu un double message. Mais non, vous inquiétez pas. Voilà. Quand on a quelque chose, il faut le partager. C'est tout. Bref, et bah du coup c'est tout pour moi pour cette vidéo, hein. Voilà, je suis pas pressé du tout, mais j'ai envie de finir comme ça, rapidement. Donc c'est tout pour moi pour cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, n'hésitez pas à aller sur les liens en description surtout, et voilà quoi, et voilà, tchuss tout le monde, merci d'avoir regardé la vidéo, tchuss tout le monde, et merci d'avoir été là jusqu'au bout de la vidéo, tchuss tout le monde, allez, au revoir, bye bye, bisous, tchuss tout le monde.